Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Enshrouded, toujours accompagné de Tonche. Bonsoir. Et nous essayons d'atteindre le cœur de fer, malgré qu'on se soit fait tuer. Voilà. D'un côté, y a des les bruits, mecs. C'est pas rassurant. Hein. C'est pas rassurant. Je suis mort à 100 mètres, moi, de là. Ouais, mon ah bah ils sont là. D'ici. Je vois les gens et je vois de l'étain aussi. Ah ouais. Aïe. Petit con. Ouf. Merde, j'ai un garde noir de Nagaronde sur moi. Parce que... En inverse, je prends celui-là, tu prends l'autre. Ça me dérange pas. T'as tiré dessus, hein? Ah, oh, oh oui, j'ai vu ça, oui. Je suis à terme. Ok, je peux rien faire. Oh. Oh. Aïe, c'est quoi ça? Barre-toi! Barre-toi! J'ai looté un truc et je sais pas si c'est toi ou, si c'est toi ou moi que j'ai looté. Hop là. Vas-y, mets-toi à l'abri. Moi j'ai res, je suis en train de manger, j'arrive. Ah t'as res. Ah ouais, laisse tomber. T'arrêtes pas 5 secondes pour moi. Hein. Le mec m'a tiré dessus, son tir a fait le tour de la montagne pour me choper quoi. Ah oui, c'est impressionnant. Et puis ça pique. Puis il enchaîne hein. Ouais hein. Et vas-y, il lance des grenades et tout, quoi, le gars. J'ai aimé le lag. Merci, le lag. Saloperie. Hein. J'ai eu un lag, j'ai pris les attaques. Super. J'aime ça. Oh putain, tu veux la meilleure? Ils ont régène. Ouais, ils ont repop, hein. Full régène. Bah oui, ça... Ça, toi, tu mets 20 minutes à régène, mais oui, c'est instantané, hein. C'est logique. Ah, mais attends, il t'envoie 3 fois ses couteaux, et juste après, il te fait un crâne explosif. Comment tu veux l'attaquer, le mec? Il est trop rapide, en fait, il enchaîne trop. Il n'y a aucun moment de pause. Très bizarre, ce mob. M'en fous, j'ai looté son arc. Le mob est très bizarre. Je le trouve pas bien trop bizarre. Alors après, on a peut-être pas le level, hein, mais... Bah, on est au level, hein, 23, c'est bon. Oui, c'est mais je veux dire au niveau du stuff, peut-être. Mais c'est pas qu'une question de... Bah... C'est pas qu'une question de ça, c'est aussi une question qu'il a pas de temps de repos pour ses attaques. Oui, non, j'avoue, je ne peux rien faire, littéralement. Il va falloir qu'on y aille et qu'on y soit à deux en même temps et qu'il n'y en ait qu'un seul en face, quoi. Et donc j'ai looté un arc 24 de puissance. Je sais pas si c'est intéressant pour toi ou pas. Attends, je sais pas. Ah. Chou. Ok. Écoute, je t'attends. Pour le moment, je vais encaisser le... Et bordel, l'autre il est venu aussi. Punaise, je l'ai pas vu. Comment il a fait pour venir? Je l'ai pas aggro. C'est chiant. Mais
Ok, super. J'ai demandé à un saumon, perso a pas bougé. Hein? Ah mais j'en ai un troisième. Ok. Sympa. Ça va le jeu, tu t'es dit on s'énerve là? On a jamais eu de autant de mecs et aussi balèzes en même temps quoi. Ok. Ok, je suis mort. Et je ne peux absolument pas le toucher. Hein. Il m'a fait ses couteaux, j'ai pris 340 oui, bah, par attaque. Ouais. Voilà. Ils sont deux. Hein. Donc, comment tu moi, je prends que 77 par couteau. Par contre, bah, c'est 77 x 2. Évidemment. Et bah, là, ils étaient deux. Donc, bah, j'ai pris 4 x 77 dans les dents. Et en plus, il n'y a pas de pierre dans ce niveau. Alors, tu peux pas construire un hôtel de la flamme juste avant, quoi. C'est chiant. Après... J'ai trouvé un peu de pierre. Attends, ah, il y en a là-dedans. Vas-y. Le jeu qui a fait que je tapais derrière. Il n'y a pas de pierre dans celui-là. C'est chiant qu'il y ait des zones où t'es pas les éléments de base. Ouais. Mais... Pourquoi les trucs ils disparaissent quand je tape un coup dessus? Et c'est bizarre ce truc. Ok, donc il n'y a pas de pierre ici. T'as pas le droit d'avoir de pierre ici. C'est bien. C'est pratique. Je peux construire un hôtel de la flamme en grès s'il vous plaît? Et c'est interdit en fait. C'est un peu dégueulasse je trouve. Bah, c'est pas terrible dans le genre hein, effectivement. Ouais parce que tu peux pas construire le truc de base. Alors, on va me dire oui mais il fallait prévoir un stack de pierres. C'est le... Pourquoi tu peux pas trouver de la pierre dans le désert quoi enfin... Pourquoi tu peux pas le construire en grès, c'est ça en fait le truc. C'est un peu débile. T'as de la... Donc t'as on pas... a une chance d'en avoir sur, le... sur les bornes là, qui sont au bord de la route, c'est ça? Bah j'en ai eu deux sur une et après les autres elles disparaissaient instantanément. Donc je peux pas te dire si c'est ça ou si c'est juste... Je peux pas. A priori il faut réussir à taper la borne en elle-même et pas en dessous quoi. Ouais, faut viser au-dessus. Ouais, j'ai re-eu deux pierres. Attends, je crois que j'ai compris le truc. C'est ça. J'ai bon, je les ai. Ouais. On pourra faire un hôtel. Sac à dos. Pas forcément très content là. Alors, on va se mettre ça juste avant la brume. Hein. De toute façon, moi, il faut que j'aille réparer mes objets, ils sont tout cassés. Pas mieux. Bah, je TP à la maison, du coup. Ça, c'est, je répare c'est posé. Le coup. D'accord. Ok. Mon perso, il a lancé une TP sur là où il était. Ah, sympa. Alors,
On va réparer ça. Je vais garder un peu de pierre sur moi, du coup, hein, dans l'idée. Ouais. Est-ce que l'arc à 24 t'intéresse, du coup? Attends. Le mien, il fait 34. Ouais, mais il est amélioré, déjà. Ouais, bah, il faut que tu me l'envoies, que je regarde. Là, celui-ci amélioré, ouais, celui-ci, ça peut le faire. Il y a de la régène d'endurance et tout, ça peut être... Et des trucs à tête chercheuse. Alors... Tu me l'as envoyé là ? Oui. C'est abandonné, c'est ça ? C'est ça. Non, il fait 27. Il fait 27 à améliorer à fond ? Ouais. Par contre, j'ai pu. Hop. Ouais, je viens de me rajouter 2 points de constit. Avec quoi? Avec 2 points de talent que j'avais. Oui. Ah, c'est chiant ça aussi. Quand l'objet il est dans tes deux barres en bas, tu peux pas le ranger dans le... Et range pas en auto, ouais. Ouais, ça c'est chiant. Bah, ça peut être pratique sur des trucs genre le stack de pierre, tu vois. Ouais. Mais effectivement, faut le gérer comme ça, quoi. Hop. Niveau dans le perso, j'ai quoi, moi? Place 30 chevalier, 82, 41. Camp de guerrier. C'est quoi, tu crois que c'est des dégâts physiques qu'ils font? Qu'une idée, je pense que c'est... Enfin, pour moi, ça ressemble plus à du magique. Après... Ouais, c'est vrai. Au niveau des flèches, qu'est-ce qu'on peut faire? Flèche en métal. Flèche en bronze. 82-41, d'accord. Donc ça, c'est l'équivalent. Du cuir et du lin. Du cuir, on avait de quoi le faire, hein, c'est ça? Ouais. C'est avec de l'ammoniaque. Du bronze, on en a 4. On a... Ah, et du sel. On a plus de sel, par contre. On manque de cuivre. Pour pouvoir faire des barres de cuivre et puis des barres de bronze. On manque de tout. D'accord. C'est le fait de ne pas avoir farmé. Ah d'accord, c'est ça maintenant pour ranger. Ils ont changé plein de touches. C'est pas forcément cool. Ils ont changé la quantité de stacks sur certains trucs. Ah. Parce qu'on a des trucs qui... On avait des coffres qui étaient pleins. Et en les re-rangeant, on a des cases qui se sont libérées. Donc c'est qu'il y a des trucs qui ont été modifiés. Ça c'était... Ouais, je crois que c'était là-bas. Je vais faire un petit saut vite fait à la mine de cuivre. Maintenant que j'ai une pioche en bronze. Vas-y, vas-y. Il est...
Oh, quel plaisir. De miner plus vite. Ouais, puis à chaque coup de pioche, t'as un minerai de cuivre qui tombe. Ou presque. Ou presque, ouais. Alors. Ça c'est marrant, maintenant ils me font 144 les mecs. T'es retourné voir là-bas? Bah ouais. En fait j'ai compris où est le deuxième. Ouais. J'essaye de repérer où est-ce qu'ils sont parce que... D'accord. Et en fait il y a une racine de brume juste à côté. Oui. Et c'est là-bas qu'il y a le deuxième mec qui jette ses couteaux. Mais sur le principe, à tous les coups, en abattant la racine, ils ne reviennent plus. Pardon? Hein? J'ai pris les couteaux. Alors ils m'ont fait 170. J'y suis re- je viens d'y retourner, ils m'ont fait 144, et là ils m'ont fait 287. Et est-ce qu'on pourrait avoir un dégât normal? C'est-à-dire qu'on sache combien ça fait comme dégâts. Pas que ça passe de 50 à 8000, s'il vous plaît. Ça pourrait être intéressant pour le joueur. Un système de critique ennemi? Je ne sais pas. Mais ça fait très bizarre quand une attaque fait le triple de dégâts. Ouais, j'imagine. Ouais. Quand tu t'y attends pas, ça pique un peu. Là, il faudrait que je me refasse une baguette digne de ce nom aussi, parce que c'est pas en faisant 40 ouais. Que je vais leur faire grand chose non plus. Déjà qu'en faisant, moi je leur fais 170, ça leur enlève rien, je vais y arriver. Moi c'est pas compliqué, hein. Avec une arme de mêlée c'est impossible de les toucher. Ouais, les trucs volants c'est impossible. Les gars sont à 50 cm du sol, t'arrives pas à les taper. Donc, Bon, j'ai ramené une des deux pierres tombales. Bien. C'est celle qui est pas à côté de la racine de brume. Ah, du coup, c'est la mienne. En même temps, il y a que du farm hein, dans le là-dedans. Ah bah oui. Je vais pas leur laisser mon farm. C'est vrai. Alors moi je pense qu'on devrait essayer d'aller à la racine de brume. Parce qu'en vol tu peux y arriver à la racine de brume. Mmh. Et qu'on essaye de se faire le... Celui qui est là-bas. Le gougnafier, ouais. Bah écoute, j'ai 3 stacks de cuivre. Je vais aller ramener ça à fondre.
Il y a un truc qui me gêne par contre dans les nouveaux trucs qu'ils ont fait. Quoi non ? C'est quand t'ouvres un coffre et que t'as un équipement en haut à gauche, le fait que t'aies un gros panneau avec les stats de l'équipement qui arrive. Ah, ouais. Ça t'empêche de voir ton inventaire. Ouais. Donc là, pas top. Dans une minute, la barre d'étain sera faite et je pourrai lancer le cuivre. Il n'y avait pas de poids hein, là-dessus, dans ce jeu. Non. C'est parfait. Hop. Et maintenant, il y a un petit timer qu'on peut voir quand on s'approche des stations de travail aussi. Sur combien de temps il reste. Ah oui. Pour le prochain élément, ouais. C'est pour le prochain élément, attention. Si t'en as 15 dedans, il te met que le premier qui va finir. D'accord. Atcha. Et il faudra qu'on retrouve du minerai d'étain, du coup. Bah, je crois que là où on est, il y en a. C'est parfait. C'est une mine de quelque chose, là. Mais je sais pas si c'est de l'étain ou autre chose. Dans la brume. Me dis pas qu'on a plus de charbon. Peut-être. A priori, il n'en a plus beaucoup. Je vais relancer. Ou alors, c'est qu'il prend pas dans les stations et que tout est encore dans le four. Non, je crois qu'il n'y a plus dans le four de charbon. Il n'y en a plus. Eh ben, on ira refarmer des arbres. C'est parti. Bah, j'en ai relancé, là, déjà. Pour le temps que ça se fasse. Hop. Du coup, tu es déjà là-bas, forcément. J'arrive. Ouais. Tirer sur le tanche. Ah non. Allez. Alors c'est par ici le voyage en direct. Ouais, à peu près. Tu te diriges vers la pierre tombale. Qui est à 150 mètres. Et en fait, elle est pile dans la racine de brume. Hop là. D'accord. Voilà, la racine de brume, elle est juste là. Ouais, je suis avec toi. Et normalement, il est tout seul. Par contre, j'ai pas changé de... Ouais. Il envoie sa merde. Il y a un archer avec. Ouf. Tu mords. Ah putain, ça protège de que dalle les explosions, tu les prends en pleine gueule, c'est fini quoi. Bouclier, pas bouclier, tu les as pris hein. Bah ouais, non mais par contre le perks du guerrier doit plus marcher hein. Ah y'a un truc hein. Parce que je me faisais pas autant aggro avant. Hein. Parce que là pour moi c'est impossible de jouer hein. On va aller peut-être passer la nuit. Tu peux plus jouer mage, pour le moment. Ah c'est compliqué hein. Je peux pas jouer. Ça sert à rien. Ou alors ils ont redéveloppé le système. Il y avait un système de fufu. Non. Il y a moyen de se mettre de s'accroupir, donc il y a peut-être. Ouais, mais. Peut-être ça qui a été remodifié, mais. Ouais, mais ça non. En fait, le truc c'est pas ça. C'est que ton perks de. De tank, ouais. De tank, il sert plus parce que je ne fais que me faire aggro. Mmh. Tu n'attires plus les gens. Donc. Vous attirez son attention d'autant, ennemi juré. Lorsqu'un ennemi attire l'attention d'un ennemi, vous l'attirez deux fois plus.
Alors, est-ce que c'est parce que nos persos datent d'avant la mage ou est-ce que effectivement ils l'ont debuff? Il faudrait relire le truc. Mais effectivement, là, c'est compliqué, hein. Parce que moi, je peux pas. En fait, comme je suis pas solide, parce que bah j'ai des armures de mage. Bah, quand je me fais aggro, je meurs. C'est aussi simple que ça. C'est pas faux. Non, s'il faut jouer guerrier, bah c'est bien. On n'a plus qu'à recommencer, quoi. Wouah! C'est quoi? Y a un bruit d'aile dans mon cul. Ah oui. Tata yo-yo! Tu vas là? Ah oui, non. Oh, je vais rouler. Mais ouais, je là te dis, aussi. ils ont des hitbox généreuses. Les oiseaux ont des hitbox, là, je vais y arriver, extrêmement généreuses. Je vois que je commence à trop fatiguer. J'arrive plus à parler. Effectivement. Côté en ayant dormi 4 heures. Est-ce que ça peut bien se passer? Je suis derrière toi. Hein. Avance pas trop, sinon tu vas aggro l'archer. Oh, sale bait, va. Explosion. Hein? On l'a eu? Non. Non, il a. Attention à l'archer! Aïe! Explosion, attention! Il a disparu, il va réapparaître? Ouais, j'ai le. Attention, explosion. Il y a le corps à corps qui est là. Je l'ai eu! GG! Ouah! Lui aussi, il m'a eu. Mais j'avais mon bouclier! J'avais mon bouclier! Il est passé à travers, quoi! Oh, fais chier! Quel jeu de merde! J'avais mon bouclier levé, il est passé à travers. C'est dégueulasse! Est-ce qu'ils auront repop, évidemment, on va dire? Bah, je sais pas, j'espère pas, parce que c'est bon, quoi. Ça commence à être lourd. Sérieusement, ça commence à me lourder parce que c'est chiant en fait de te dire que t'as juste pas le droit à l'erreur. Je suis sur place. Ouais, j'arrive. J'ai déjà lancé un combat. J'ai déjà lancé un combat ? Bah, j'ai la musique de combat, moi. Ouais, j'ai un gars là, mais c'est un tout nul. Y'en a un deuxième. Derrière toi. Et d'où il vient? Ah, je suis derrière un arbre, tu ne peux pas me toucher. Aïe. Par contre l'explosion, oui. Ah, par contre, j'ai l'impression qu'il se fait mal avec sa propre explosion. Attention, mec de corps à corps. C'est bon. Ah. Chaud patate. Ah, mais c'est la faucille des déchus, c'est pas ça qu'on doit choper pour. Je ne sais pas. Et je viens de choper la lueur de l'ombre. C'est un arc spécial. Il est noté arc spécial. Fantastique. Merde. Il m'a pas regardé gentiment le monsieur. Niveau supérieur, bah il est temps. Et il reste un petit peu de trucs à ramasser. Si
sur ta tombe. Surtout cette saloperie à casser. Voilà. Ah fou. Oh là là là, attention, 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 attention. Quoi non? Bah. Non, non, c'est pas le même, c'est un bleu ça. C'est un petit. Moi j'ai plein de loot sur moi donc je vais rentrer à la maison. T'as bien raison, je crois que je vais faire pareil. Il t'a vu. Il te fonce dessus. Ouais, bah il peut. J'étais en train de me téléporter. Aïe. Ah, bah, moi ça marche pas, je peux pas me TP. C'est con. Attends, je vais regarder si c'est pas la faucille des déchus. Si, si, c'est ça. Donc en fait, on a affronté deux fois le boss que normalement on doit affronter. C'est peut-être pour ça qu'on s'est fait laver. Ah, peut-être, ça doit jouer. On doit peut-être pas être là en fait. Aïe! T'avais peut-être raison, c'est, on a peut-être pas le niveau. Mais tu vois, c'est un truc que je comprends pas. C'est pourquoi on te donne la quête tout de suite si t'as un tel écart de niveau. Ouais, et puis surtout pourquoi on tombe sur deux boss en même temps. C'est ça. Ça, j'ai pas compris là. Parce qu'on est, d'accord qu'ils étaient deux, voire trois par moment. C'est ça. Et en fait. Le truc. C'est que, alors ça c'est connu dans les jeux comme Dark Souls et tout. Ah bah à un moment les boss deviennent des trash mobs. Hein, mais c'est ça. Mais le truc c'est pas juste après que tu les aies combattus quoi, si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. C'est exactement ce que je reprochais à Lord of the Fallen. Alors je viens de déposer dans le coffre qui est là. En haut là. Un petit ouais. Fléau, je pense que tu vas aimer. Ah ouais. Oh, j'imagine que c'est de la demain encore, hein, mais. Non, c'est une main. Ah non, non, c'est un petit fléau. Donc c'est pas du tout un fléau en fait. Donc il va malheureusement devoir être sacrifié. Alors j'aime bien, c'est qu'on m'a dit objet spécial, l'arc de la lueur de l'ombre là. Ouais, ah oui. Mais il est tout nul. Il est moins bien que mon arc. Donc il va nous manquer du minerai de fer, quelques étincelles, un peu de safran, mais on s'est prêt à monter la flamme. Il nous manque quoi? Du minerai de fer et du safran. Et des étincelles. Quelques étincelles, ouais. Ah, mais le minerai de fer, pour aller le chercher, c'est. Là où on était, je crois. Bah oui, oui, ça doit être la mine où on était, oui. Je vais aller voir tout de suite, d'ailleurs. Fais gaffe, il reste 2-3 gars. Hein. Ouais. Surtout avant que toute la smala elle repop. Oui. On n'a pas de camomille. On n'en a plus, je crois. Il en reste une. Semi de camomille. Je vais en faire. Comme ça, on va pouvoir les planter. Je ne pensais pas devoir un jour faire des potions de soins, mais je suis à sec. Bah moi c'est pareil. Alors si tu restes là, ça me va. Si tu fais le con comme ça me va. Merde. Il y a son pote le piou-piou qui est arrivé évidemment. Évidemment. Non, c'est pas drôle. Et du coup, on était au cœur de fer ou pas? Non, absolument pas. D'accord.
Ça va, mais par contre le piu-piu était gentil, il a attendu que j'ai tué le premier pour attaquer. Ah oui, c'est... C'est cordial. Oui. Ok. Alors, est-ce que ce serait du fer ? Il y a l'air. Oui, c'est du fer. Tu pouvais venir m'aider en miner ? Je suis juste là. Hop, c'est où du coup ta mine ? Bah juste à côté de... sur ta gauche. T'as tiré des gens ? Pas scarabée. Bon, ça va là. Wouah ! Attends, il est pas tout seul le scarabée. Ça va, c'est un petit celui-là. Hein. Voilà. Et donc toutes ces tâches là, bah c'est du minerai de fer. C'est magnifique. Et comme il nous en faut que 40. D'accord. Je vais te paraître gourmand, mais il y a des belles armures à faire. Ah oui, non mais... Je parle pour monter la flamme. Ah oui. Bah vu que ça doit être le meilleur minéral du jeu, tu dois avoir les dernières armures du jeu. Hein. Ah je sais pas, hein. Est-ce que alliage, pas alliage Ah peut-être. Vu qu'il y a déjà le bronze d'instauré. Ouais, serait mais... capable de rajouter un truc avec, ouais, avec de tard. La brume ou je sais pas quoi pour en faire un minerai brumé. Ah, ce serait pas con ça. Y a pas. Pour le PVP. Ouais, ou qui protège de la brume par exemple. Tu sais, des attaques de brume. Oui. Tout à fait, ou qui te permettent de résister un peu plus longtemps à la brume, tu vois. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver des trucs. Oui. T'as combien en minerai de fer ? 17. C'est ridicule. J'ai 19. C'est un peu long à miner. Hein. Ouais, bah en même temps, moi j'ai une pioche en bronze, ça va, mais toi je sais pas avec quoi tu mines. Cuivre, je crois. Ouais, on n'est pas encore stuffé métal. Enfin, fer, plutôt. C'est ça. Mais il doit y avoir d'autres spots de fer avant quand même, hein, je pense. Bah, peut-être 2-3 trucs que tu sais comme on avait avant, là, dans les tentes ou des trucs comme ça. Ouais, ou même des petits spots pour que tu puisses quand même te faire du stuff, je pense. Hey, tu veux rire ? Quoi hein ? C'est de la pierre qui est avec le fer. Oui, je sais, j'ai vu. Hein. je l'ai pas dit, mais tu sais, dans ma tête, il y a eu un enculé. Voilà. On l'a senti très fort. C'est ça. Ah mince, j'ai plus d'eau. Par contre, ce qui est marrant, c'est quand tu mines le fer, ça fait un bruit de terre. C'est pas faux. Salali la loula. Le viewer aura une vue sur le boule de mon perso. Voilà. Et qu'il ne vienne pas se plaindre. C'est ça. Ah non, j'ai cassé ma pioche. Ah bah t'es bon pour un premier aller-retour, je crois. C'est ça. Là. Bah vous inquiétez pas, hein, au bout d'une demi-heure, on arrêtera de farmer.
Envoie-moi ton fer. Je suis trop loin. Je pense qu'on a ce qu'il faut. Hein. Ouais. On est à 67. Et je vais continuer à farmer. Ma pioche, elle est dans le rouge, donc le temps de la casser. Ouais. Et ça nous permettra d'avoir un petit peu de stuff avec. Hop là. En avant. Allez. Ça, c'est fait. Les objets ont été réparés. Donc on a dit quoi? Du safran qui nous manque? Un petit peu de safran et des étincelles. Je te prierai de ne pas utiliser tout le fer pour ton... Mais ton matos. Comment je fais pour te garder en vie, moi, après? Mais écoute, ça ne marche pas bien en ce moment. Oh. Pour si peu. Tu dis ça parce qu'on vient de passer un épisode et demi à se faire laver le cul. C'est ça. Donc safran, on est à 17. Sur les 40 nécessaires. Ouais, et on en a pas vu tant que ça. Hein. Non, hein. Il y a des spots, entre des fois il y en a 3-4, hein, mais... Et tu peux pas faire des semis de safran? J'en ai pas vu. Jette un oeil à la pépinière depuis la mage, j'ai pas vérifié, mais... Bah je suis parti chercher du safran, justement. D'accord, bah je vais repasser par la maison, comme ça je vais réparer ma pioche en même temps. Hop, et je check ça. Alors... C'est du minerai qu'il nous faut ou c'est des lingots qu'il nous faut? Pour la flamme. Minerai de fer. Du minerai, ouais, d'accord. On en a 68. Ça va? Oui. C'est-à-dire que t'as un crédit de 28. Ouais, ça va aller vite. Hein. Alors, du safran, de la canne à sucre, de l'aloe, du... Non. Je n'en vois pas. D'accord. Je vais aller farfouiller également. Et il faudra faire le tour des boîtes à étincelles. Des boîtes à étincelles. Mais ça, je le ferai peut-être entre deux épisodes. Enfin. Entre deux sessions de tournage. Chercher des étincelles. Si j'ai le temps de le faire. Oui, c'est vrai que c'est pas le genre de truc qui est passionnant, quoi. C'est ça. Tu vas, il y a personne, ou alors il y a des gars de 15 levels en dessous, tu es tabasse, tu prends ton étincelle, tu repars. Allez. Ah bah je confirme, hein, y a des trucs ici, mais ça doit être du lapis lazuli, ça. Allez, crève l'oiseau. Aïe. Du safran. Alors. C'était des fibres de plantes, ce n'était pas du safran. Le safran, c'est rose. Ouais, je sais. Le corps de de l'éclados. Saloperie d'oiseau.
Ouais, pareil. Et c'est rare le safran en plus. Bah ça dépend les coins encore une fois. Bah moi je suis... Je ne suis pas dans un coin à safran. Je suis reparti au nord par rapport à la dernière maison qu'on a posée là. Ouais. Et il y a plein de piaf, mais il y a un peu de safran. J'en ai récupéré quelques-uns là. J'ouvrirai bien l'inventaire pour te dire combien, mais j'ai 5 ou 6 battements d'ailes au cul donc. Moi je peux dire j'en suis à 4. D'accord. Moi je dois en avoir 7 ou 8, je crois. Attends, on va essayer de courir un peu vite. 5, d'accord. On est aussi nul pour trouver du safran l'un que l'autre. Ouais. Ah, 6. Ça tombe bien, il nous en manque plus que 13. Oh, ça va. Non, avec les 10 qu'on a là, il nous en manque encore 13. Oui. Alors... Et deux de plus. Moi je me fais emmerder par des bestioles. Moi aussi, mais je m'arrête pas. Et je suis pas du tout dans un coin à safran. Hein. Camp de fouille de l'obélisque. Ah. Aïe! J'ai eu un nouvel emplacement cartographié. Ouais, j'ai lu un truc. Enfin, j'ai lu un tradition. Truc, j'ai appuyé sur eux. Les règles exaltées. Hop là, encore un de plus. D'accord que ce rocher ne peut pas tenir en vrai. Ah bah là j'en ai... Tu vois des fois tu vas marcher pendant 10 minutes, tu vas pas en voir, et là je viens d'en looter 4. Bah ouais, j'en ai 9 au total là. Enfin j'en ai 9 sur moi. Moi aussi. Donc ce qui nous fait 18 plus les 17, on arrive à 35, donc encore 5. Alors. D'accord. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de safran à l'intérieur de la ville. J'ai looté du miel par terre. Ok. Je veux pas savoir d'où il vient. Moi non plus, il était sur un cadavre. Ah voilà. Oh un safran. Oh, qu'est-ce que je fous là moi? C'est un nouveau biome? Tiens, monsieur le tatou, là, tu veux pas prendre l'agro de l'oiseau? Non, tant pis.
Oh, une grosse porte. Ça va être fermé, ça aussi, je pense. On va pas l'ouvrir. Ah oui, d'accord. Aïeux. Potion de soins revitalisante. Ah d'accord. Excusez-moi monsieur, je vous avais pas vu. Je crois que je suis arrivé en bout de map. Ouais, j'ai vu une petite tour dans un coin, je vais pas me planquer des oiseaux 2 minutes. Je suis rentré dedans, il y avait un grenadier. Ah, excusez-moi. Vaincre le spectre du temple du soleil hanté. D'accord. Je sais pas pourquoi, il m'a changé de quête d'un coup. Camp de fouille de l'ancien barrage. Bon, ça, c'est des endroits que j'ai déjà fouillé en vrai. Je suis à l'endroit d'une quête. Ah. La quête du laboratoire. Ah. Si tu veux venir. Ma foi, pourquoi pas, c'est loin. Les règles exaltées cachent de nombreux secrets. Aucun plus mystérieux que le fossile massif de créatures disparues depuis longtemps. J'ai réfléchi à l'origine de leur espèce. Mais cette guêpe d'un désert ne contient aucune réponse. Si vous demandez aux membres de la tribu locale, ils vous diront que les os sont des dieux. D'accord. Et il y a un endroit qui n'est pas traduit, parce que I have theories. Alors, non, I have theory, parce que c'est écrit en français. But need, doudou somme mort, prudente creusée, j'ai déjà un site prometteur à l'esprit. Nous ça, bien parler mélange franglais. Tout ça fait. Ah, oh, mais lâchez-moi! Oh, Safran! C'est quoi, c'est la grande ville, là? De quoi, la grande ville? L'endroit où t'es? Non, je suis pas dans une ville. D'accord, bon, je continue d'avancer vers toi. Oh, il m'a lâché. T'es loin? Ah oui, t'es loin! Ah oui, pas, t'es bien, bien loin. Si, si, bah ouais, si. Moi, je cherchais du safran. Bah, moi aussi. Je suis à buisson friable. Bah, écoute. Ça ferait un bon nom de commune française. Tout à fait, mais c'est une commune, hein, elle est habitée. D'accord. Alors, à propos de la disparition de l'eau. Note de travail jour 19. Croyez-le ou non, mais il y en avait beaucoup d'eau dans les règles exaltées. Mais quand je demande aux locaux ce qui est arrivé à ces terres, je n'arrive pas à obtenir une réponse cohérente. Tout y passe, de mystérieux soleils avalant l'eau vers les cieux, au sol qui se sépare en deux et vide le bassin du lac comme un vulgaire aquarium. Rien qui n'ait de sens. Dans les faits, un jour le barrage a arrêté de donner de l'eau, mais avec les vannes complètement ouvertes. J'ai entendu des rumeurs dans le coin reclus du Val de Bèze d'un fléau émergent sous le sol. D'accord. Donc la brume boirait l'eau. Intéressant. Ah, bah on a les instruments scientifiques, ça y est. Ah ouais, d'accord. Ouais, je les ai ramassés avec des éclats de verre. Bah GG. Voilà. Vaincre le spectre du temple du soleil hanté, je suis au temple du soleil hanté, a priori, enfin je suis au-dessus en tout cas, puisque l'emplacement est en dessous. Alors c'était déjà pas simple de trouver du safran de journée. Alors de nuit. J'en ai actuellement 11 sur moi. Je crois que j'en ai 9 je crois.
Attends, je vais rentrer à la maison pour donner les instruments de... Tu sais quoi, je vais rentrer à la maison aussi, on va passer la nuit, et puis avec un peu de chance, ça aura fait repop un peu. Le fait de décharger et recharger la zone, tu sais. Peut-être. Hop là, on est à 27 safran déjà. T'en as combien toi sur toi? Hop là, on est à 38 safran. Fait chier. Oui. J'avoue. Ça c'est la loose. Ah mais le minerai de fer, t'es les amis là toi? Parfait mon ami. Vous êtes toujours monté à la hauteur. Si nous réussissons à construire un laboratoire avec les instruments scientifiques, alors nous pourrons fabriquer des objets de soins. D'accord. Mais encore. Un éclat de lumière éternelle. Ah ouais. Il nous faut un Nathanor, des briques, des barres de cuivre et du verre. Et l'Athanor, c'est avec du bronze et du verre. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas facile, hein. Oh, du bronze et du fer, on les a. Hein. Du le bronze et le vert. Ouais, ouais, c'est fait. On a. On a quand même. Et je dis pas qu'on a pas, je dis que c'est long. Par contre, il faut beaucoup de bronze. Il faut 20 barres pour faire ton instrument scientifique et la tanor. Ouais, mais les instruments scientifiques, on les a déjà. Ah oui. Donc il y a juste la tanor, du coup. Ouais. Et ce qu'il y a en dessous Les briques de cuivre, les barres de cuivre, les briques cuites et le verre, ok. C'est ça. Mais écoute, moi je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Oui. Et puis on verra ça lors des prochains épisodes pour faire notre labo scientifique et notre safran. Et moi je vais essayer d'aller chercher des étincelles entre deux épisodes. Voilà, voilà. Sur ce, on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Salut.